Abandonnée et il y en a juste une derrière. La dernière fois on était venu ici, la première était fermée, la deuxième était fermée et maintenant on va voir s'il y a quelque chose d'ouvert. Maintenant il est parti en mode furtif dans le... Il tente comme ça lui, il y a les voitures et tout, il court. Mais celle-là je crois qu'elle est encore fermée. Attends, si tout le monde y va, bon bah allez hop. Ah oui, là c'est pour aller à la deuxième. Là, il y avait quelqu'un qui a déjà essayé de passer. Oui, donc du coup, c'est la même maison, mais seulement c'est devant et derrière. J'avais pas remarqué que c'était la même tellement elle est grande, en fait. Ah oui, j'avais confondu avec la ruine, là, parce qu'il y a une ruine juste derrière. Et donc là, on peut rentrer par la porte, là. Et ça donne à une cour. Quelqu'un est passé avant nous. Mais non, ils ont ouvert, j'y crois pas. T'as trouvé un chiotte? Mais non. Bon bah finalement, Boba va sortir les lampes et puis on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Donc voilà, on pensait que ça allait être toujours fermé, moralité c'est ouvert. Bon, c'est un peu le bordel pour rentrer. Ça a été plié. Super, ouais, quelqu'un a plié, ouais. Bon bah va falloir passer là-dedans. Je pensais vraiment pas que, mais on y est. Ça va être un bon truc. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un vieil ordinateur, enfin un vieil écran. Un Acari. Ouais. C'est ça? Celui-ci, c'est un autre. Ah. Doudou, tu fais des photos? Bah, je fais des photos de détail comme d'hab. D'accord. Tu vois un magnétoscope? Putain. C'est un jeu? Oui, des jeux. Oui. Je ne peux pas la faire. Comment c'est là? Waouh, il y a des vieux meubles. Là, du matos. Il y a des jouets, il y a des jeux. Il y en a des écrans, il y a des télés partout. C'est quoi? C'est une baignoire. C'est une baignoire avec une porte. Ah. Bah ça, quand t'as du mal à marcher, c'est pas mal. Sur ton chien, c'est qu'elle avait obligé de rentrer le bord avant de faire couler l'eau. Vous voyez? C'est mieux, du coup. Les vieux meubles, regarde. Merde. Et ben, il y en a des trucs ici. Ça, c'est le genre de truc que tu vois pas partout. C'est quoi? Jésus rencontre sa mère. Oh vache. Le quatrième, juste là. Ouais, au-dessus de ta tête, il y en a un autre. Mais ça servait à quoi? Genre, c'était pour accrocher? Ouais, d'habitude, on trouve ça dans les églises. Je sais pas ce que ça fout là. C'est bah, voilà. Particulier, quoi. Il y a des éclairvoir bien au-dessus. Wow. C'est quelqu'un qui avait récupéré une tonne de choses. Regardez, il y a des croix là. Enfin, ce qui reste de croix. Il va falloir vous progresser tous les deux en même temps parce que je peux pas éclairer les deux à la fois. C'est un peu particulier, ça met mal à l'aise quand tu vois des trucs comme ça. Par contre, ça. Et il y en a encore un là, des trucs. Oui, bah, il y en avait un ici. Ranger ça proprement.
Regardez. Et là. Qu'est-ce que c'est? Notre-Dame de Paris. D'accord. Tome 1 à 2. C'est. Une tirelire là-bas. Il n'y a pas l'esprit d'apparence qui parle, non? Ça va faire des décennies qu'il n'y a pas mal. C'est une Bible? Non. Ça a plusieurs bouts. Tiens, c'est pas des chutes. Oh, mais. César. Je trouve les toilettes trop sales. T'as cette solution-là. Et quelqu'un sait ce que c'est que ce mur apparemment ? Non, pas du tout. Non, on pensait que c'était une habitation la fois où on est tombé dessus. Moi, je pense plutôt à un truc médical parce que tu regardes quasiment dans chaque pièce, t'as un point d'eau. Ah ouais ? Même ça, c'est bizarre que. Ça ressemble à une chambre. T'avais le lavabo, t'as la baignoire sabot à côté, peut-être tiens, un ancien hospice ou un petit coup là. Tu crois? Mais ça fait vachement maison. Hein. Un journal intime. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait des rendez-vous d'abord, et puis en tournant, je suis tombé sur le texte. Isabelle plus Nico. Institut école. Piscine. Regardez. Il y a une famille d'écrans. Ah. Oh. Qui se sont reproduits. Oh mais c'est trop mignon. Regardez tous ces bébés. Une cheminée. Un jeu pour être ami. Le bizarre. En basique. Là j'ai plus de temps. Non mais il y a plein d'informations. Oh putain! Waouh! Ah, ça, c'est de l'antiquité de compète! Beaucoup d'écrans. Il y avait quelque chose après, parce que derrière on peut encore soit descendre soit remonter. D'accord, donc on te suit. Allez-y. Ça laisse plus trop le doute sur le fait que c'était une maison médicale en fait. Ah, je fais bien de le dire. Oui, c'est juste le cosmique. Une pièce vide avec de la prodène. C'est quoi? C'est la vierge. Oh là là, mais c'est flippant ça par contre. Je crois qu'il restait un doute. Non, mais non, reviens vite. Surtout qu'ils ont fait la trop lycée. Mais non. Attendez, je passe. Oh là là. C'est notre premier fauteuil roulant. Celui-là, il est vraiment génial, putain.
Non, effectivement, il n'y a plus de doute sur le fait que ouais, c'était une maison médicale. Bien sympa. Une bonne surprise. Ouais. Ça a été ouvert entre notre première visite et la deuxième. Mais ça, je m'y attendais absolument pas, quoi. Ça fait plaisir. La bonne surprise qui fait bien démarrer la tournée, quoi. Et du coup, surtout, il y avait un fauteuil roulant. Ouais, un fauteuil roulant. Notre premier fauteuil roulant. Il y a plein de chiottes. Oh oui, des chiottes. Donc là, on se rend au deuxième lieu et on espère que ce sera pareil que le premier. Normalement, c'est une maison. Je la vois. Oui. Il n'y a pas une petite rue sur le côté. Oui, c'est la maison là. Il n'y aura pas de petite rue sur le côté. Voilà, c'est la maison qu'on aimerait bien faire. Celle-ci. Ouais, celle-ci. Là. Mais le problème, c'est qu'il y a un petit monsieur en train de tendre la pelouse et du coup, pour le moment, c'est un peu problématique. Donc là, on va rôder près de la maison pour voir si le petit monsieur à la tondeuse il est toujours en train de tendre. Doudou, il joue au Pokémon. En tout cas, le monsieur, il est derrière la maison, je l'entends. Hein. Ah là là. Et voilà, le petit monsieur qui tend. Bon, comme le petit monsieur tendait la pelouse trop longtemps, on a vu qu'il y avait un fort pas loin, alors du coup on fait une petite écartation du plomb et on va aller voir ce fort. And the world has made me strong, but it can't contain me long. For I got a mind to make these bastards pay. Copain de la route, il est en mode inquiétude, mais qu'est-ce qu'il me faut? Ça y est, t'es une star. T'es une star. Allez, en route. Tu mettrais pas les panneaux, ça te fait moins la façon. Oui, la façon de Doudou de passer. Youp là. Et c'est parti pour de la marche dans les bois. Don't you come round throwing lead, lest your wishes to get dead.
Mais ça, c'est de l'entrée, hein. Waouh. Magnifique. Ouh. Oh là là, c'est tout ce que j'aime. 44, 872. Oh la vache. Ouh. Ah mais voilà quoi, les forces espèces. Putain, jusqu'où ça descend. Oh la vache, mais... On est quoi, c'est la vraie. On va prendre mon arbre. Non. Je vais prendre mon arbre, c'est mon tâche. Moi aussi. Nous, tu vois le vent. Bon, putain, je vois bien. Ah, c'est bon. Tu veux parler. C'est bon, je suis là. Enfin, ça descend encore, mais... Mais non. Il faut plat descendant, c'est plus des escaliers. Oh là là. C'est fléché. Putain. Oh non. Et... Oh mais ça, c'est mon angoisse. Quand les escaliers qui ont duré 100 ans, on est sous terre, il y a 20 000 moustiques, il y a des trous par terre, on est dans un tunnel de ouf. Encore un trou, attention. Oh là là. Ce serait sympa s'il n'y avait pas toutes les moustiques. C'est horrible. Oh mais super, franchement. And on my hip, don't tell no lies. Oh, and God can't save you here. He moved back east last year. Yeah, the dust will swallow up your mournful cries. This year is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. Ça a pété. Chercher une porte ou sortir par la fenêtre, c'est le choix là. On est sorti. Oh, je me sens revivre.
t'embrasse le sol. En fait, il y a une fosse là. En dessous. Oui. Bah, t'es sur la plaque là. Ok. C'est une comme ça que j'ai vue tout à l'heure près de la sortie qu'on emprunte. Super. Une belle chute qui nous attend là. Oui. Je pense que ça va donner sur les colonnes. Non, là ça donne sur le petit dôme qui est au-dessus. Tomber de l'autre côté, donc même en passant dessus, ça se trouve, on est déjà passé. Bon, je vais peut-être te débarrasser les mains. Ça. Attends, je regarde juste comment on va descendre. Le tout, c'est de rester bien accroupi, le cul près du sol. Mais moi, je descends sur le cul, les gars. Oui, mais tu te freines avec les pieds. Ok, bon. Voilà, parce qu'on vient de descendre sur le cul. C'était cool en tout cas. Voilà. Oui, je vais longer le mur. Lol, arrête de filmer, regarde ce que tu fais. Je regarde ce que je fais. Voilà. Mais je comprends pas qu'ils les enlèvent pas, c'est super dangereux. Après, t'as eu un panneau qui te dit... Terrain militaire défendu. Oui, certes. Mais bon... Un barbelé là, fais attention à pas ça. Oui. Si t'arrives à passer ça, tu te tapais les grilles au-dessus, tu retombes en plein dedans. Les gars, c'est un champ. Bien sûr, c'est un champ de queue de cochon. C'est un système de défense. Hein. C'est prévu pour empêcher de rentrer. Ouais, ben je veux bien le croire. Hein. Tu vois, il y a les queues de cochon, et en plus, ça les interlie entre elles avec les câbles. Super. Donc, même si t'arrives à passer, t'essayes de passer sous la mitraille. Tu te prends les pieds dedans, tu t'éclates la gueule. Putain. I tell you no amount of right gonna justify your lies. I can see right through you and that glass you pour. We can settle this like men, bring these troubles to an end. Then I can learn you to keep your eyes off what ain't. This here is hard country. If you don't take these words to heart. Hey, de retour. Allez, à cette petite journée. Yeah, the long arms of the law don't reach us here. And if you